lorsqu'il était venu à La Réunion, eh bien, évidemment, il ne passe pas, service d'immigration. Et il faut que ces commerçants-là, ces gens-là viennent à La Réunion, soient munis d'un passeport, d'un certificat de bonne conduite. Oui. Certifier que la personne n'a pas fauté durant ces deux décennies. D'accord. D'accord. Mais avant d'arriver à La Réunion, il y a quand même des questions à répondre aux autorités. On ne laisse pas les gens partir comme ça. C'est pourquoi ces gens qui viennent à La Réunion, ils ont une certaine capacité pour ouvrir le commerce. Ainsi, pour mon père, on lui a demandé « Parlez-vous français ?» Mon père dit « Non, ben, je ne parle pas français. Comment voulez-vous que je parle français ?» Non. Vous connaissez lire, vous ne connaissez chinois. Et est-ce que vous savez compter ? Oui, je sais compter. Eh bien, si vous savez compter, ben, vous pouvez y aller. Ah, donc, d'accord. Ces gens qui viennent à La Réunion, donc, tout de suite, ils sont émergés, ils sont devenus des commerçants. Ah, tout de suite. Ah, d'accord. Et mais, il était un peu dur quand même ici à La Réunion quand... Mais justement, comment dire, les Chinois, ils sont vite adaptés à la situation, parce qu'on dit souvent, là où il y a soleil, il y a Chinois. Mm-hmm. Donc partout quand les Chinois partent, ils trouvent toujours à s'adapter convenablement. Mais vous, quand on était jeune, parlons un petit peu de cette jeunesse, quand vous, personnellement, était jeune. Comment on l'a vu la vie dans le temps longtemps ? Eh bien, la vie était bon, et surtout au niveau des disciplines. Ah, d'accord. D'accord. J'étais d'abord dans l'école chinoise. Ouais. Et on nous a montré comment il faut faire le respect. Ah, d'accord. Le respect des anciens. Ouais. Et le matin, à l'école, bon, il y a levé de couleur. Bien sûr, en ce temps-là, c'était l'hymne national chinois. Voilà. D'accord. Et ensuite, après la... Ça, c'est en Chine, là-bas, ça? Non, ici. Ici, hein? Non. Mais après la départementalisation, ouais. Et ben, le français, le gouvernement dit on ne peut pas avoir un État dans l'État. Ah, d'accord. Donc, les écoles chinoises ont fermé la porte. Thank you.